Le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Bien-aimés, raison pour laquelle que quand nous les fonctionnons, il faut parler à soi-même. Amen. Il faut toujours parler à soi-même. Qu'importe la façon que la semaine ou bien la journée s'est passée, mais il faut parler à soi-même et dire que tu viens. Amen. Et il faut savoir la raison pour laquelle que tu viens dans la maison du Seigneur, dans la compagnie de ce que tu vois, tes frères et sœurs. Amen. Tu prends un peu de chaleur. Alléluia. Le salut est personnel, c'est vrai. Il faut savoir s'encourager soi-même, c'est vrai. Mais donnez-moi quand on vient ensemble. Donnez-moi un seul bois. Taille-lui-même, Paul. Taille-lui-même, taille-lui doucement. Mais là où on vient, c'est un bel bouquin qui t'a surdé. Alléluia. Donc, si nous avons venu ici en bonne mentalité pour flamber chacun de nous, pas bien manière nous bénéficier de la même, que présence bon Dieu pas senti, que nous parlons de miracles, nous parlons de bagailles, que nous pas senti présence bon Dieu, que nous parlons de vouer, sauf pour aller l'oxymène encore. Parce que tout ça, bien aimé, Dieu t'a dit nous que nous vivons tant qu'il mauvais. Alléluia. Parce que deux fois, ça m'a dit que deux fois, on peut rester là, on peut tous en faire. Et vous savez, tout est aimé. On peut s'en aller nous en grande tribulation. Mais nous pouvons dire, regardez, le monde qui connaît la parole, on peut dire, ouais, nous pouvons en aller m'en aller, ouais. On peut pas si nous en prenons pour réfléchir. Nous sommes débrouillés des fois des moments qui arrivent. Et tout est aimé. Tout est aimé nous en grande tribulation. Et vous savez, c'est qu'on vous changez. Les grandes tribulations, maman, il vous dit pareil là. Donc, tout là, toujours. C'est ce qu'on accueille. Vous avez dit ça encore. Si c'est vrai, c'est ce qu'on accueille. Est-ce que la famille est bon, ça, c'est pour ça. Et moi, quand je dis ça, que moi, pas le way. Ma partie, mon Dieu, vive, il est mort, allez, ouais. Ma partie, ça, c'est terrible. Alors, mon, allez, ouais. Alors, bien, les messieurs, nous, allez, ouais. Nous, n'y est-il pas. C'est ça, c'est qu'on nous. Car, tout c'est qu'on nous. Amen. Car, tout c'est qu'on nous. Ce sont les mots. Ah, mais c'est pas encore fantastique. Parce que ça nous savent qui doit être. Bien aimé, là nous venons ici, là, c'est pas un monde qui est pour nous. Dans vos vies, gloire, non? Philippe, même si la journée est en manière, oui. Si maintenant c'est en manière, ma mère a dit tout. Et bien, si c'est la chose qu'elle comprend, dit tout. Mais là où il est ici, il faut que toujours vous faites. Mettez tout ça derrière vous. Et qui savent là où il est ici, qui savent où il est, qui savent où il est, qui savent où il est. Amen. Faut que ça, qui savent où il est. Et pas besoin de monde double pour louer. Ou pas besoin de monde louer, bon Dieu. Ou pas besoin de monde sauf à l'effet là. Et puis mettez pas au double, même tout ce qui est comme malade. Ou pas besoin de monde qui nous a aidé, nous a aidé. Amen. Nous sommes de la force, nous sommes forts pour nous. Pour que nous sommes ceux qui doivent être de nous là, sans puissance. Mais nous sommes l'idée en disant nous plus forts parce que l'idée en bas la terre. Alléluia. Donc, nous sommes pour la cause, nous sommes forts pour nous. Dès qu'on veut, c'est vrai, mais maman est en disant. Même si on commence par ce petit et au petit moment, on va pas voir qui est dans la vie, on va commencer à construire un cadre à courir tout partout dans le salon, on va voir qui est dans la vie. Mais pour rester ici, mon Dieu, pour ça, ça va là. Si on veut bien aimer, mon Dieu, tout ce qui vient par le plus de vie, qui toujours dit, toi. Il y a toujours une action de ta part en premier pour que le Seigneur puisse agir pour toi. Alors, vous rappelez, vous souvenez d'une carte, si vous êtes resté ainsi, vous pouvez passer à côté de cette dernière bénédiction.
Nous sommes des enfants du royaume, des enfants intelligents. Pas mettre intelligence nous en bâtir. Pas mettre intelligence nous en bâtir. Nous sommes des enfants sages, comme le Seigneur nous a rendu sages. Alléluia. Vous témoignez, vous témoignez. Vous avez mis des chansons, parole à l'homme qui a poussé. Et vous avez senti même tout le temps que vous avez fait ça. Et c'est parole qui a poussé. Amen. Parole à l'homme qui a poussé. Sauve, amen. Du temps, on dit que c'est tout l'homme qui a fait un peu l'homme. Mais l'homme sort, sauve. Côté de l'étudio, ça y a fait bas. Ça y a fait tous les jours bas. Ça y a fait. 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 Amen. Oui. Et Dieu parole au temps de la santé. C'est sûr. Que même si on sent un monde qui t'a fait bien danser leur côté, mais l'on a mis dans le pays de l'État, c'est sûr. Amen. Parce que la joie de l'Éternel est notre force. Et donc, bien en donne, au point de la famille, 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 au point de la famille. Je vais aller à la coulée pour entendre au point de la famille, au point de la famille, au point de la famille. Alléluia. Et tout est fait en disant qu'au pays, ça va être difficile. Mais vous connaissez la seconde au moment où vous avez été bien écoulé et puis vrai. Amen. Parce qu'il y a un homme qui vient de dire ça et qu'a fait ça et qu'a baillé au moment où il a la débloï pour rester tranquille. Les gens qui sont arrivés, madame, là, ils courent, ils disent du lâche-là. Dis-moi un homme qui dit tout ça, moi, j'appelle. Si vous saviez aimé, vous baillez la solo, sans qu'il y a plus de choses à rester tranquille. Parce que qui peut contenir et faire la gloire de Dieu? Amen. Quand il est en train de sortir, sauter, danser, courir, exploser, marcher, venir encore. Hein? Mourir la résistance, mourir la résistance. Ouais, on donne ta paix, c'est pas possible. C'est donc, au moment de former, si le mouvement qu'elle va y faire, vous savez, on fait ça, on va sentir bien dans l'an. On va sentir, c'est pas possible, on va venir la vie, on va sentir, 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 mas você conhece o que está acontecendo no mundo? Mas o que está acontecendo é real. Porque não só tem a paixão de você, mas também o que não está acontecendo, o que 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 está acontecendo. É porque a Bíblia diz que é o que está acontecendo. Quench not the spirit. C'est comme on peut dire, c'est comme on peut dire, c'est comme on peut dire, put on the whole armor of God. And put on the whole armor of God. Alléluia. Et nous prenons temps ce matin, un étudiant qui I am in my children, defying the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil.
So we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. We protect unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand the evil days, and having them all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Praying always with all prayers and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all things. And for me, the utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in bounds, that therein I may speak boldly as I ought. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les flèches enflammées du mal. Prenez donc la vie du salut. Et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardument et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans le ciel et que j'en parle avec assurance. Como de droit en parole. Bien, nous voyons que Paul nous parle d'être fort dans le Seigneur et dans le pouvoir de sa puissance. D'être fort dans le Seigneur. C'est-à-dire que nous ne sommes pas forts par nous-mêmes. Amen. Mais c'est dans Christ lui-même que nous trouvons notre force. Alléluia. Parce qu'il nous dit qu'il a déjà gommé la bataille pour nous. Amen. Il nous a déjà rendu puissants vainqueurs. Alléluia. Donc, même si tu sens qu'il n'est pas capable, même si tu sens que tu as fait le dernier pas, que tu ne peux plus. Mais il faut toujours dire que tu peux aller encore loin par toi-même. Mais par Christ. Amen. C'est tout, c'est pas souvent, c'est toujours dans le moment où nous nous sentons plus faibles, que nous nous sentons que nous n'arrivons plus, que le Seigneur entre en action. Amen. Et il fait l'incapable, l'impossible pour nous. Amen. Pour nous montrer que c'est lui qui fait et non nous. Amen. Alléluia. C'est jamais nous qui faisons, mais c'est le Seigneur qui fait en nous. Alléluia. Alléluia. Embrassez au lieu de tout homme dans vos lacunes. Revêtez toutes les armes de Dieu.
that you may be able to stand against the wiles of the devil. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En verset 16, il nous dit, wherefore take unto you the whole armor of God. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. That we may be able to withstand in the evil days, and having them all to withstand. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme afin d'avoir tout ce qu'il faut. Et vous avez dit, je vais vous dans le même chapitre. Verse 18, Amen. Paul, verse 18, Amen. C'est pas moitié de l'agneau, non? C'est pas moitié de l'agneau, non? Mais il t'a demandé de mettre tout l'agneau là à l'aile. Amen. Quand l'agneau est trop long, pas de vrai faire ça là, pas vous dire le fond. Mais mettez tout au mieux là, protéger tout corps. Amen. Il t'a demandé de protéger tout corps. Parce que chaque morceau au mieux là, nous les aurons au capoté. Alléluia. Nous voyons dans l'armure. Il commence au verset 12. Il commence et il nous dit la première chose. Venez, d'accord. L'armure, amen, is any covering one as a defense against weapons. Toute protection portée comme défense contre les armes. Et nous savons souvent que c'était un métallique de mal. Longtemps, c'était fait avec un cuir qui est assez dur. Amen. C'est pour l'armure et là, c'est pour protéger. Amen. Ça veut dire que si tu vas en guerre et tu n'es pas armé, tu es vulnérable. Amen. Ça veut dire que tu t'exposes au danger. Quelqu'un qui va au combat et qui n'est pas armé, c'est certainement que ça veut dire que tu vas la tuer. Aussi. Dieu, où tes âmes vous aiment mort et tu t'es tout ça, tu t'es pas mort, donc du coup, où tu es, parce qu'il fait le même mot, pas le dit que vous savez, vous avez mort. Où tes âmes vous aiment mort. Et Dieu, quand nous nous comprenons qu'on s'en fait, nous les enfants de Dieu, c'est la suite. Aussi, pardon. Amen. Alors, Paul nous dit, dans vos outils, toute la vie. Amen. Et nous voyons que la parole, il commence par nous dire de mettre la ceinture. Alléluia, de vérité. Pourquoi la ceinture? Good then, stand therefore, having your loins good with truth. La ceinture. Tenez donc ferme et à vos mains la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Tenez la ceinture est a strip of leather or other material worn around the waist or across the chest, especially in order to support clothes or carry weapons. Une bande de cuir ou autre matériel porté autour de la taille ou sur la poitrine, spécialement afin de supporter des vêtements ou de porter des armes. C'est pour faire part pour supporter des vêtements ou des armes. La ceinture de vérité. Premier bagage qui dit nous pourquoi, c'est la ceinture de vérité. Amen. Portez la ceinture de vérité en premier, parce que bon Dieu nous en sommes bon Dieu vérité. Amen. En bagne par les pieds du mensonge. Et tournez en vêtements là où c'est qu'il y a là pour supporter. Amen. Pour assurer que le pantalon et le jupe là pas tombé et fourni du tout ou pas dehors. Amen. Ou bien si c'est pour supporter l'épée, c'est pour assurer que
ou pas rester sans âme. Alors qu'il faut de nous premièrement de prendre la ceinture, pas n'importe quelle ceinture, pas ceinture qui a roulé dans le pantalon, mais la ceinture de vérité. Le Seigneur nous demande d'être vrais avec nous-mêmes, d'être vrais avec lui, et Satan sait quand on est vrai et quand on n'est pas vrai, de même que nous savons quand on est vrai et quand on n'est pas vrai. Donc, être vrai avec nous-mêmes, être vrai avec notre voisinage, être vrai avec la parole de Dieu. Alléluia. Il nous demande de solidifier notre oui avec notre ceinture qui est la vérité. Deuxièmement, il est temps pour nous dire de mettre notre cuirasse, le breastplate, a piece of armor covering the chest. Une partie de l'armure qui recouvre le buste. Amen. Protéger. Protéger du vent. Protéger. Amen. Pas qu'il soit ouvert pour le capitaux, n'importe comment, n'importe comment. Protéger. Parce qu'il écoute tout le temps, tout l'heure, il peut être fatal. Protéger. On protège avec toi, là, il se passe. Mais si on est dans la vérité, nous sommes dans la justice. Oui et non. Amen. Il n'y a pas de vie. Alors, tu vas en même temps, c'est l'un et l'autre. Oui ou non. Il n'y a pas d'abstention. Il est pour le coup. Alléluia. Vrai. Est-ce que c'est temps pour nous dire Amen? C'est pas tout. Si tu mets tes chaussures, tu restes dans la vérité. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Mettez pour vos chaussures à vos pieds le sel que donne l'évangile de paix. Ou pas en laisser son soulier. Vous n'avez pas été parlé de son soulier spécial qui a fait Bayo, qui est dur pour être sûr à l'aide de Bayo, parce que tout ce qui est au passé pour que vous passez à vous. Vous avez même mis un Bayo qui a mis en l'air, j'ai oublié le nom, devant Bayo. C'est bien. Amen. C'est parce qu'il est plus en bas ou bien. Si on peut blesser, même si on a envie qu'on va mourir, non? Amen. Même si on ne peut pas compter qu'elle va renverser mon panneau, mais si on peut penser, on va avoir bien envie, mais si on ne peut pas permettre d'aller parce que c'est une capote. La paix. Il nous demande, Amen, de mettre notre ceinture de paix. Et après, il nous dit, Alléluia, above all, taking the shield of faith. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. A broader piece of metal or another suitable material held by strap or handle attached on one side, used as a protection against blows of missiles. So, in a material as a large or metal or with another material, qui est porté en fine lanière et ou bien quelque chose pour tenir et qui est attaché sur un côté et qui est utilisé en tant que protection contre les coups, contre les missiles. Nous avons besoin, Alléluia,
le bouclier de la foi. Pour ce quoi, wherewith you should be able to quench all the fiery darts of the wicked. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les feux enflammés du malin. Amen. Votre bouclier de foi. Amen. Le Seigneur agit avec de la foi. Ne pas oublier le bouclier. C'est là pour nous protéger. Amen. Contre toute attaque, contre les missiles, contre. Amen. Les têtes assemblées de l'ennemi. Tu délivres. Amen. Il faut que tu sois toujours sous ta garde. Sous tes gardes. Parce que même si on est bouclier et qu'on prend les gardes, c'est pas risqué de confesser la commande. Alléluia. Il y a des moments où nous avons posé bouclier à terre. Nous n'avons pas posé bouclier à la position. Nous n'avons pas mis la position, nous n'avons pas tout mis. Poussé à terre, du bout à l'épine, nos paniers, préparés pour combattre. Amen. Nous n'avons pas foncé dans la main là, nous n'avons pas allé bâtir. Pendant nos cas, continuons là. Je te dis ça, nous, en dans l'autre planète. On va imaginer ça, bien aimé, pour tout le moment réfléchir. On va travailler ensemble. Il n'y a pas facile de renouveler, on va voir, on va voir. Travailler ensemble. Pendant pour les maçons qui sont dans la maison. Amen. Travailler ensemble, parce qu'il n'y a pas facile de faire. On va imaginer, pendant qu'on a qu'à battre mon tir, on va sentir, ça, ça y est, on est bien lourd, qu'il faut qu'on y ait un bouclier, faut qu'on y ait tout ça, nous, et tout, parce qu'ils savent l'ennemi, ça, bientôt. Et vous vivez avec ton âme. Vous partirez au monde. Alors, bien, nous restons les gardements et c'est le bouclier de la femme. Très important, très important. Il va simplement dire, prends le bouclier de la femme, non? Comme dans vos ordres. Parle de ce que. C'est bien que l'importance de celle-là. Parle de foutu. Prends le bouclier de la foi. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne peut pas agir pour nous sans la foi. Je peux venir ici toi pour discuter avec toi, parler de la parole de Dieu. Et tu ne crois pas, je vais rester là sans toi et on ne dira rien du tout. Je peux bon te dire ma foi, le Seigneur peut te délivrer. Il n'y a pas de foi. Je peux te donner tous les témoignages que je connais. Prends les personnes, même devant toi. Si tu n'as pas de foi. Quand as-tu tout, prends le bouclier de la foi. Ne le dépose pas. Alléluia. Si on veut voir la grandeur de Dieu, prenez le bouclier de la foi. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et nous ne restons pas là. Il te dit aussi, and take the helmet of salvation. Et prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Alléluia. Protéger mon taille. Pas pour vous faire cela, non? Le sang de bataille. Protéger. C'est pas moi qui gagne de vous sauver. Amen. Tu as la foi en Dieu. Cette même foi, il faut que tu saches que tu es sauvé. Amen. Le casque du salut.
and the sword of the Spirit. Et l'épée de l'Esprit. Ces deux-là vont ensemble. Le cœur et l'épée vont ensemble. Qui est la parole de Dieu. Tu sauras que tu es sauvé comme moi. Amen. En connaissant la parole et en la mettant en pratique. En étant obéissant à la parole de Dieu. En étant obéissant au commandement de Dieu. Alléluia. Tu auras cette paix en toi, sachant que ta vie est en alignement avec la parole. Amen. L'assurance de salut viendra quand ta vie est en alignement avec la parole. Ça, c'est quand tu l'as plus bien que tu peux aussi par rapport à la parole de Dieu. Et si tu ne la connais pas, comment pourrais-tu, amen, être obéissant à quelque chose que tu ne sais pas? Amen. On grandit à la maison, dès tout petit, en grandissant, nous connaissons les règles que maman et papa ont mis à la maison. Nous savons ce qui est acceptable et ce qu'ils ne vont pas accepter. Amen. Et quand on le cas, amen. Pour les premières fois, tu as ton cœur qui va bouger. Maman arrive, il est 16 heures, maman va arriver tout à l'heure, papa arrive. Parce qu'on sait qu'on a passé une des règles. Amen. Bénis le nom du Seigneur. Et quand on a l'habitude de casser les règles, le cœur commence à battre moins vite, moins vite, moins vite. Parce qu'on s'installe dans l'habitude de casser les règles. Amen. Tout dépend si, je ne sais pas si je peux dire comme ça, la mesure de coût qu'on a pour maman et papa. Tout dépend si la mesure de respect qu'on a pour maman et papa. Amen. Soit on peut se courir assez vite, ou bien qu'on s'installe dedans et nous avons presque familier dans un moment que nous avons questionné la présence morte. C'est la même chose à la maison de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous a fait une autre avis. Et ça est vital, ça est vital. Ça est vital, c'est pas un secteur, c'est pas un secteur. C'est pas facile. Il faut parler qu'elle a cassé l'aide et qu'il vient de sentir qu'elle est confortable en moi et cassé l'aide. Alléluia. Et bien aimé, quand nous prenons le temps d'étudier la parole de Dieu. Amen. Pour laisser passer nos capacités pour la parole à nous abîmer sa parole à Dieu. Donc, vous ne pouvez rien pour l'esprit à mes vies bas au bout de tout le monde. Oubliez la parole à ta vie, parce que c'est un peu mieux que l'esprit. L'esprit n'a pas qu'à vous, il faut vraiment lire. Amen. L'esprit de Dieu t'a ramené. Ça va prendre. Mais si on ne peut pas faire la parole à ton pensée, il t'a ramené dans. Sauf au moins une fois où tu vas prendre mon désir, il t'a ramené.
Alors, bien aimé, prenons le temps, amen, de garder notre cœur, amen, et notre épée. Parce qu'il n'a pas servi grand-chose pour mettre ce qu'il y a, mais il y a plein d'années. Amen. L'ennemi n'a pas été pas soutenu. Donc, tu peux, ou parce que tu n'étais pas là. Tu veux dire que tu ne connais pas la parole. La situation est arrivée sur toi et tu ne connais pas la parole. Tu ne sais pas quoi faire. Alléluia. Alors, prenons toute l'armure. Habillons-nous dans toute l'armure pour nous protéger parce que, amen, nous vivons dans le temps difficile. Nous avons besoin de l'armure. Amen. Bien-aimé, il nous dit, Paul ne va pas laisser. Il faut expliquer pourquoi on peut voir l'armure. Il faut avoir l'armure par rapport à verset 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est pas une bataille physique. Alors, nous ne luttons pas contre notre frère et soeur. Nous ne luttons pas contre notre famille qui ne sont pas convertis. Amen. Nous ne luttons pas. Ok, nous connaissons. Nous ne luttons pas contre, contre le patron ou bien ton voisin, la personne à côté de toi. Ce n'est pas avec cette personne que nous luttons. Amen. Ce n'est pas avec ton mari, ce n'est pas avec le père, ce n'est pas avec l'enfant. Ce n'est pas contre l'enfant et le sang. Amen. Nous voulons que c'est important d'avoir ces armures-là. Parce que tout ça, amen. L'enfant a qu'à prendre le dessus. Et nous pouvons penser qu'on nous compte dans le ciel de la vie. Et nous savons que nous ne nous comportons dans le ciel de la vie, ça n'a aucune gloire pour le Seigneur. Même quand nous-mêmes, quand nous nous faisons mal. Mais, but against principality. Mais contre les dominations. Je vais enlever le mot principality. A state ruled by prince, by a prince. Donc, un état qui est dirigé par un prince. The position or authority of a prince or chief ruler, sovereignty, supreme power. La position ou l'autorité d'un prince ou d'un chef est dirigeant, la souveraineté de pouvoir suprême. Vous allez voir quoi que nous nous enverrez, c'est les puissances, principalités. Amen. 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 C'est le droit qui doit imposer ce que c'est. C'est la puissance qui nous donne ce qui va imposer. C'est tout notre combat. Alléluia.
on le voit maintenant tout, tout ce qu'il y a de mieux et qu'il y a découvert tout. Je l'ai compris encore. Le Seigneur avait dit à Daniel, il y a un moment, il faut que ça reste caché. Mais là, maintenant, le moment est arrivé de tout. Tout est là. Vous faites plus de le goût que les gens. Même la puissance, hein? Je reste sur la force. La puissance qui est là. Vous faites plus de le goût que les gens. Même la force de vie des hommes. La puissance est plus belle. Il est doux. L'administration qui est là, il est belle. Comment on continue pour eux? C'est bien jamais le point. Hein? De temps en temps, il leur donne quelques petits mots, mais bien doux, c'est pas son bien doux. Oui, oui, c'est la puissance qui est là. Manifestez si vous voulez. Moi, je la fais dure. Vous voyez, c'est le plus puissant, c'est pourquoi on voit autour de nous, on le sent, les puissants, on le voit, ressent. Amen. Notre vie quotidienne nous démontre à tous les jours. Tu ne peux pas venir avec une personne en particulier, c'est une puissance. Alors, ce sont les puissants, amen. Des principautés. Avec une parole. Donc, ça fait des puissances, des délégations, des autorités. Ability to do or act. Capable of doing or accomplishing something. Donc, c'est l'habilité de faire ou d'agir. La capacité de faire ou d'accomplir quelque chose. Ils ont le pouvoir. Amen. C'est le fait de puissance, le pouvoir qui est contre nous. Adèle, alléluia, ruler of darkness of this world. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Donc, ce sont des princes qui ont des pouvoirs de ténèbres. Et ils sont là dans ce monde. Amen. Ils ne font pas ça qu'ils font tout ça, mais. C'est le sens de ténèbres qui est derrière eux. Amen. Pour me faire offenser. Et non seulement dans ce monde, vous pouvez dire ici, que, mais aussi dans le monde spirituel. Je ne sais pas si vous commencez à voir la puissance qui est derrière. Ils vont prendre dans le monde spirituel, puissance de ténèbres, amen, et qui agit dans ce monde. Alléluia. C'est pourquoi on a beaucoup de questions. Beaucoup de questions de changement. Donc, quand on comprend que dans ce monde, quand on arrive à comprendre cette dimension, il y a beaucoup de choses qui deviennent beaucoup plus claires. Et on arrive à comprendre ce qui se passe autour de nous. Donc, la puissance est là, et c'est transparent, c'est clair. Amen. Vous ignorez quelqu'un ou d'autre. À cette voiture qui est vendue, tu as soit une femme nue, en direction,
des flammes de l'amour. Il y a toujours cette force en révèle toujours. Si tu connais la parole de Dieu, c'est clair. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est quand tu es banal. Et pour nous qui connaissons la parole de Dieu, nous voyons la signature du diable. Amen. Je me dis pour 21, cette voiture, la couleur rouge, le festival. Amen. Ou bien le vert pomme, ça ne suffit pas pour qu'on puisse voir une voiture. Amen. Et toute autre chose qu'on prend les voies, par cette plus, mais il faut aller à l'extrême. Amen. C'est un magnifique testament. Et bien aimé, le groupe en Dieu. Il va passer en bas, non? C'est Dieu qui parle à la famille. Il parle de tous les côtés de ceux qui ont des puissants. Ceux qui ont la capacité à faire accomplir des choses. Amen. Au plus haut niveau, c'est plus facile. Les yeux de majorité sont braqués sur eux. L'ennemi est très stratégique. C'est pourquoi il faut que nous restons sur notre garde et que nous gardons l'armure. Amen. Imagine, la personne qui a une telle chanson, le nombre de personnes qui est captivé par cette puissance, qui lui a donné sa chanson, et quand il le chante, qui glorifie et dit tout ce qui est dedans, la puissance que ça dégage quand il chante sa chanson, le nombre de personnes que ça atteint. De quand nos enfants sont même activés dedans. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, c'est deux choses. Soit, et quand on tourne autour de nous, c'est le pouvoir de puissance contre puissance. Soit tu es dans le Seigneur, tu as l'armure, tu es vrai, ou bien l'autre, qui est sa foi est ferme du côté du mal. C'est dépendance du mal. Soit tu es avec le Seigneur, ou tu es complètement avec le Dieu. Bien-aimé, raison pour laquelle, que quand on ne revêtit pas la lumière, tu as plein de personnes qui crient. Parce qu'il n'y a pas au milieu. Il n'y a pas, je suis chrétien, tout. Le tout, c'est un mot en plus, c'est pas vrai. Le tout. Amen. Aussi. Je suis un chrétien aussi. J'ai dit c'est aussi. C'est aussi un mot en trop. Tu es un chrétien tendre. Tant par la définition que le monde le donne, c'est par religion. En fond de Dieu. Né de nouveau. Amen. Sanctifié, justifié. Lavé par le sang de l'agneau. Amen. Marché dans le nouveau Dieu. De
Et vous qui témoignez, qui témoignons, nous voter de vie, la vie qui témoignons, qui témoigne, d'accord, qui témoigne, amen, l'image de Christ. Il n'y a pas de aussi. Amen. Si c'est possible, l'illusion, vous attendez. Amen. Maintenant, c'est tout ce que le Seigneur a le droit de le convertir. Amen. Il veut le convertir à sa manière. Et c'est dommage que nous, les enfants de Dieu, nous bien souvent nous sommes aussi notre gloire. Et nous nous trouvons coincés au milieu. C'est pourquoi la parole a dit, c'est parce que c'est du Seigneur qui est mieux. Parce que maintenant, il y en a beaucoup qui sont Seigneur. Mais leur cœur sont vrais du Seigneur. Amen. Ils s'entendent le Seigneur, mais le Seigneur ne les connaît pas. Amen. Mais ce n'est pas parce que nous entendons Seigneur de la bouche de quelqu'un qu'il faut croire que c'est un seul et un seul. Alléluia. Mais il me fait savoir dans sa parole. Parlons-y. Amen. Parle-y. Yes. Par l'Esprit. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, encore, je dis qu'en Paul, revêtu toute la lumière. Nous vivons dans le temps où c'est important de revêtu toute la lumière. Amen. Alors, 2 Corinthiens 10, 3 nous dit. 3 à 5. For though we walk in the flesh, we do not walk after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ for the work. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Quand même si nous sommes ici sur terre, nous marchons dans la terre. Nous sommes ici bas toujours, nous vivons ici toujours, nous sommes dans cette enveloppe toujours, amen. Mais nos combats, ce n'est pas la nature. Raison qu'il faut s'enlever. Amen. Et notre amour, amen. Prends sa force à Dieu. Notre armure, amen, est active seulement que tu as Dieu. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God. Car nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu.
elles sont puissantes à la vertu de Dieu. Amen. Raison qui faut mettre en armure, qui faut restaurer, qui faut suivre la parole. Amen. Qui faut garder ce qu'il faut pour être protégé dans le Seigneur. Parce que c'est la seule manière dont nous pouvons, amen, tirer certaines pulling down of strongholds. Voilà. Amen. C'est la seule manière que nous allons arriver à renverser les forteresses. Mais on est tout à l'heure là, je vous dis que notre champ de bataille, c'est l'amour. Amen. Pas celle dans l'imagination. Renversant les raisons de toute autre. Amen. Quand on prend la parole de Dieu, nous nous alignons avec la parole. Nous ajoutons la foi à ce que nous avons entendu. Amen. Nous pouvons repositionner notre pensée. Alléluia. Je dis que le champ de bataille est là-haut. Alléluia. Raison pour laquelle il faut avoir un casque de salut et l'épée. Amen. C'est là où nous aurons, amen, la capacité de renverser les raisonnements. Ça se passe ici. Sauver le Seigneur, ça se passe premier en haut. Il faut se conditionner. Il faut parler à soi-même, par rapport à la parole de Dieu. Il faut être vrai si la parole dit X, tu es sur X. Il ne faut pas aller chercher mais. Dès que tu as ajouté mais sur X, tu es déjà sorti dedans. Il n'y a pas de mais. C'est une seule fois dans la vie qu'il y a mais. Nous restons souvent dans le mois de mai, bourre de chaleur. Effectivement, le mois de mai, beaucoup de chaleur. C'est pourquoi souvent nous avons beaucoup de chaleur. Nous restons trop dans le mois de mai. Oui, mais c'est un mot de trop avec le Seigneur. Alors c'est là que ça se passe. C'est pour les conditions là. Amen. Ton foi évolue là. Ta foi. Ça peut être là, c'est dans ton cœur, mais ça. Là. La parole de Dieu a dit ça qui le mérite là. Et tu fais tout ton effort pour aller exactement à ce que la parole a dit. Dès que tu cherches à passer à côté, tu auras des soucis. Alors, bien-aimé, c'est pourquoi? Puisque le Seigneur nous a donné déjà beaucoup de clés. Comment son royaume fonctionne? Alors que nous sommes des gens du royaume, on a déjà entendu pas mal de trucs dessus. Que nous, comme enfants de Dieu, comme des enfants du royaume céleste, on ne doit pas ressembler à ce monde. En aucune forme. Notre conversation, notre façon de se présenter, tout doit montrer Christ bien-aimé. Et il y a une différence. Même si tu as grandi dans une culture, même si tu as grandi dans une culture, la culture française, c'est comme ça, c'est comme si c'est ça, c'est ça, hein? Le rituel, c'est ça, c'est ça,
Mais bien-aimé, quand tu entres dans le royaume de Dieu, si ça en avance avec la parole de Dieu, ce n'est plus ton culture. Ce n'est plus ton culture. Ce n'est plus ta culture. C'est plus ta culture. C'est plus ton style. C'est plus ton mode de vie. Parce que tu as compris la parole et tu as fait le nécessaire là-haut. Donc, ça ne t'embête plus non plus. Ta vision. Tu n'aperçois plus les choses de la même manière. La parole t'a dit, I am carefully and wonderfully made, c'est ça? C'est une manière magnifique. Je suis une créature merveilleuse. Absolument merveilleusement, mais si merveilleuse. Amen. Tu n'as peut-être que ça fait en fouille-là, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit dans ce monde pour te faire sentir que tu es en créature si merveilleuse. Amen. Tu n'es plus basé sur ce que le monde va nous offrir. Quand à l'aime que tu as déjà renversé toutes les raisonnements et s'intéresse. Amen. Alléluia. Raison pour laquelle il faut mettre l'amour. Alléluia. Si tu le cas. Tu ne veux pas devenir amnésique. Amen. I'm bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Pour ramener, nous renversons les raisonnements, nous amenons toute pensée active à l'obéissance de Christ. Amen. Pourquoi? Donc, l'obéissance du pasteur, non? Amen. C'est pas l'obéissance du pasteur de Christ. De Christ. L'obéissance. Amen. De Christ. De ce qui est écriture. Amen. Donc, nous ne restons pas. Quand on parle de l'obéissance de Christ, ce n'est pas les saints. Comment je l'ai dit, c'est comme ça que nous les avons recaractérisés. Ce n'est pas le groupe que nous avons. Caractérisé. Amen. Parce qu'il y a des péchés que nous affichons qu'on les. Les péchés majeurs. Ah, les plus les gros. Les majeurs, les gros. Les péchés capitaux. Dès qu'on entend on parle de péchés sur son fait, ça paraît. Déjà, c'est même pas celle-là qui est dangereuse pour nous, parce que tout le monde le connaît dans un grand plan. C'est les péchés. Hein? C'est le cachet, le tout petit. C'est là que le mot en formation. Mot. Hein? Le mot. C'est là que ça en formation. Et ce sont celles qui sont plus dangereuses. Donc, nous avons le pouvoir de tout amener à l'obéissance de Christ. L'obéissance de la parole. Alléluia. Je ne sais pas, non. Je ne sais pas, non. On a déjà pas ce que tu as dit, mais je ne sais pas, non. Bénissez le nom du Seigneur.
Bien-aimé, c'est pour ça que nous sommes chantés, nous sommes dansés. Les nous sommes chantés, mon témoigne, mon témoigne. Chaque les bon Dieu va nous pouvoir amener. J'en ai ces bagages-là à l'obéissance. Amen. Chaque les nous pour victoire. Béni soit l'Éternel. Alors, en conclusion, Romains 13, 12 nous dit: The night is far spent, and the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. La nuit est avancée, Romains 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Dépouillons-nous. De ténèbres. Mets-le en bas l'obéissance de Christ. Amen. C'est tout ça dans nos amours. Et là, nous menons pour rester là, parce que c'est dans nos amours pour protéger, pour nous pas vivre en fait sans lui. Alléluia. Nous avons aussi en Ephésiens 5, 8, be sober, be vigilant, because the adversary, the devil, as a roaring lion walketh about, seeking whom he may devour. Ephésiens 5, 8. Soyez sobre, vigilant. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Gardons notre allure. Amen. Parce que c'est le lion qui est passé. Like a roaring lion. Il n'est pas tranquille. Il nous cherche. Amen. Il nous cherche de toutes les manières, de toutes les façons. Il utilise ce qu'il trouve. Amen. Alors restons sous notre garde. En Jacques 8, verset 7 aussi, submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Résistez jusqu'au bout. Having done all, amen, comme Paul nous a dit, to stand. Having done all, to stand. Amen. Afin de pouvoir tenir ferme. Il nous a dit ça dans le verset 13 de Éphésiens 6. Amen. Éphésiens 6, 13 à la fin, il nous a dit: Wherefore take unto you the armor of God, that ye may be able to withstand the wiles of the day. Withstand in the evil day, sorry, and having done all to stand. That's what it says. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Et dès qu'on va mettre 2:11 nous dit: Let Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. Que le Seigneur nous bénisse ce matin avec ses paroles. Alléluia. Alléluia. Revêtez toute l'armure. Béni soit l'Éternel Dieu. Béni soit Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia, Jésus.